Monte Cristo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing du Strix, mon Strix Asus, le G702. Cet ordinateur a été assemblé et préparé par Ncarré, ils luttent contre l'obsolescence programmée, ils sont super cool. D'ailleurs, le lien de leur site internet sera dans la description, n'hésitez pas à les contacter. Je vais donner un nom à mon nouveau bébé, donnez un petit nom quand même dans la barre des commentaires. Moi perso, je vais l'appeler Bernadette. Bernadette, est-ce que tu es prête pour cette vidéo unboxing? Oui. Les caractéristiques de cet ordinateur seront dans la description. Grosse carte graphique. Bref, il y a du lourd. Mais le plus important pour moi, c'est en tout cas, est-ce qu'on peut tester des gros jeux en ultra? Avant de caresser et de toucher Bernadette, je mets des petits gants de protection histoire de ne pas trop la salir. Allez, 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 commande la Strix. Super joli. Au niveau de la boîte, même si on s'en fiche un petit peu, Republic of Gamers, le bon vrai logo, comme on connaît bien. Et au niveau du PC, avec la couleur orange. Voici ma Bernadette, vue de l'extérieur. Super agréable à toucher. Pour te faire très très simple, l'air froid rentre par ici et il sort par derrière. Voilà, donc Bernadette. Alors, c'est légèrement surélevé, bien sûr, pour qu'il puisse, enfin, pour pas qu'il chauffe trop, quoi. L'ordinateur est plutôt léger, il est assez fin. Nous avons l'alimentation, le réseau, le Thunderbolt 3, l'HDMI en virtual reality aussi, l'USB-C ainsi qu'un port USB 3.1 avec un port jack. Nous retrouvons de l'autre côté deux ports 3.1 ainsi qu'un lecteur de carte SD. C'est l'heure de l'ouverture de Bernadette, let's go, 3, 2, 1, poum, c'est cool. Je suis vraiment content d'avoir cet ordinateur là. Bernadette nous indique aussi de quelque chose de très très important. Les touches, le Z, le Q, le S et le D, les plus importantes, elles nous l'indiquent. Et les touches s'allument aussi. R Bernadette est allumée. Au passage, l'environnement a été modifié par Ncarré, donc il est plus rapide. On le verra aussi lorsqu'on jouera à certains jeux, dont Battlefield 1 en ultra. Qu'au niveau des performances, c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve directement sur l'ordinateur. On va faire des petits tests et on va voir au niveau des performances aussi. Juste avant de geeker un petit peu, je sais, j'ai enlevé les gants, je suis obligé parce que sinon c'est galère. Regardez le gestionnaire des tâches. 6% au niveau du pros, 11% au niveau de la mémoire, le disque à 0, le réseau à 0. Non mais attendez, vous allez le voir aussi quand on va jouer à des jeux, c'est un truc de ouf. On se retrouve sur le jeu Battlefield 1. Regardez, je suis en ultra. C'est l'une des premières fois de ma vie que je vais jouer en ultra. J'en ai tellement marre de mon autre ordinateur où il y a plutôt des bonnes caractéristiques, mais c'est pourri. Là, je suis trop content. Au niveau des chaînes de résolution, je l'ai fait basculer à 100% parce qu'il ne faut pas oublier que j'enregistre par-dessus. Donc ça prend quand même pas mal de ressources. L'échelle d'interface à 50% et 60 images par seconde. On va jouer un petit peu. Je suis obligé de jouer un petit peu. Allez, let's go. Échappe, échappe, échappe. Ultra. Je suis en ultra. Ah, mais quand tu dis que t'as vraiment un ordinateur portable et qu'à la base, bah, tu fais plus ça sur des tours. Hop, je suis en train de killer en même temps. Mais moi, ça me surprend en fait d'avoir une aussi belle qualité d'image et puis bah, l'écran est plutôt grand. Donc vraiment, il y a une grosse immersion, on a l'impression d'être dedans. Qualité d'image, c'est fantastique. Et puis surtout, c'est Battlefield 1, c'est pas comme si je faisais un test avec un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans pour voir à peu près au niveau de voilà, si ça fonctionne bien en ultra. Là, c'est vraiment un jeu récent, donc quand tu vois que c'est très fonctionnel. Alors bon, quand t'enregistres par-dessus, c'est vrai que tu peux pas mettre tout à fond, mais sinon, tu mets tout à fond et tu profites pleinement du jeu. Et c'est dans ces moments-là où tu prends vraiment du plaisir à jouer à des jeux. Et comme j'ai dit, hein, j'ai jamais vraiment eu cette chance de pouvoir jouer à des jeux en ultra. Mais que là, je suis très content. Je pensais pas qu'un PC portable aussi fin, aussi léger aussi, c'est vrai, puisse supporter Battlefield 1 en ultra. C'est fantastique. Regardez, là je suis en train de killer un peu. Ah, je suis trop content. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires puisque je répondrai certainement en vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas, peu importe la question, allez-y.
mettez plein de commentaires, ça va être super cool. Grand merci à Bernadette de cette petite démonstration, mon petit bébé. Ça fait un petit temps que je t'ai. Je profite pleinement de toi, tu le sais de toute façon. Merci Bernadette. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux sans en avoir des commentaires. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Peace out.